Coucou à tous, alors aujourd'hui je reviens pour un haul action et Super U. Donc je pense que je vais faire la vidéo tout en même temps. Donc j'ai pas pris grand chose. Alors j'ai pris des bougies que j'adore. Donc ces bougies vanille gourmande de la marque Airwick, je pense que vous la connaissez, elles sont super bonnes. Ensuite, pareil, c'est quelques centimes. Ouais, attendez. 1,95. Ensuite, j'ai pris un stylo comme ceci qui marque des choses là quand vous l'ouvrez. Il y a 6 différentes notes. Crayon habit encre bleue Girl Power. Je vais vous l'ouvrir. Je vais vous l'ouvrir. Et je vous montre. Alors, voilà. Le stylo est comme ça. Vous appuyez et vous avez d'autres choses qui se marquent. Là, c'est tout busty. Là, c'est Gold Digger ou Diger, je ne sais pas comment on dit, je ne sais pas si vous voyez à l'endroit ou à l'envers, désolé. Là, vous avez Go for It et Girl Boss, Dreamer, je ne sais pas si vous voyez à l'endroit ou à l'envers, désolé. Et Girl Power, voilà, vous en avez 6. Donc, très joli stylo, j'aime bien, il est original, pas cher, j'ai pris. Donc, celui-ci, 19 centimes. Mais pour les prix. Ensuite, j'ai pris une petite radio comme ça. Donc, c'est AM FM Compact Pocket. C'est une petite radio en nez avec des écouteurs. Toujours pratique. Et ça, je l'ai payé à 98. Hein. Je vous présente comme ça. Je peux vous le lire. À la base, ces écouteurs, je les aime pas parce qu'ils me font mal aux oreilles, je les supporte pas, donc je vais prendre un casque. Mais il faudrait quand même que je m'habitue, mais moi je les supporte pas. Voilà, ça se présente comme ça, c'est une petite radio hein, basique, hein. AM FM à pile. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment taille d'une main, quoi. C'est petit. Donc voilà, ça, très bien. J'ai pris des stylos Bic bleu. Il y en a 8. 9 centimes. Voilà. Il y en a combien de? Il y en a 8. Ensuite, une petite bougie Airwick que j'adore. Au parfum de synthèse, donc c'est fruits rouges et épices. Je les adore. Elles sont toutes petites, mais franchement, elles sont super bonnes. Aussi, quelques centimes. Celle-ci, pareil, je crois que c'est le même prix. Non, celle-là, je crois, je sais pas si c'est. Parce qu'il y en a plusieurs d'Airwick, la bougie parfumée senteur brisée. Ça, c'est senteur des bois. Ouais, ça doit être un euro 95 aussi. Hein. Ouais, un truc comme ça. Senteur des bois. Ça sent bon aussi. Encore une autre bougie. Fraîche coton aromatique, que j'aime bien aussi, qui sent super bon. Celle-ci, je ne sais pas combien je l'ai payée. C'est 1,69. Voilà, c'est ça, ouais. 1,69. Ensuite, j'ai pris des lots à poils, vous savez, les rouleaux, là. 3, 4. 3, je crois, ouais. Voilà, c'est des rouleaux attrape-poil pour les chats. Hein. C'est toujours pratique, c'est collant. Ça, c'est 75 centimes 1. J'en ai pris 3. Voilà. Ensuite, j'ai pris un parasol à 9,95 inclinable. Dimension 2 mètres. Et comme ça, voilà, pour mettre sur le balcon. C'est toujours bien. Surtout que maintenant, il y a le soleil. Donc, il est emballé, c'est chouette. Il fait 2 mètres. Voilà, ce parasol de plage, moi je le mets sur le balcon. Voilà, parce que j'ai un grand balcon. Je vous ai dit le prix, 9,95. Ensuite, j'ai pris un de la marque Dunlop. C'est Bluetooth, c'est portable Bluetooth speaker 3W3 watts, je crois. Hein. A white LED light, white FM radio, white line in function, suitable for PC MID, je sais pas. TV and other audio device include deux in one, two in one USB,
2 et 1 USB, câble, end, auxiliaire, câble. Ça change de couleur. Et c'est bien parce qu'il fait radio. C'est chouette, ça. Attendez, on va l'ouvrir ensemble. Ah ben, derrière, c'est en français, je suis conne, moi. Alors, enceinte Bluetooth portable. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Voilà, donc je l'ai ouvert. Donc vous avez le câble USB avec l'embout là. Et vous avez, c'est joli. Pareil avec tout ce qu'il faut, hein, les fonctions, tout ce bordel. Par contre, je pense que ça marche assez bien. Ah, j'ai pas de fil, c'est top. Donc ouais, c'est... off, on, ah, c'est pour enlever en fait. Excusez-moi, je suis en train de... voilà. Ah bah, il marche déjà. Bluetooth mode. Super. Ok. Et... je connais pas encore bien, donc... ça, c'est... pardon, je sais pas si... plus bas, je prends la lumière, vous voyez, et plus vite. Plus bas, vous voyez. Là, c'est plus bas. Et donc, c'est plus... pas mal, hein. Bon, après, c'est un gadget, mais bon, super joli, pratique, emporté comme ça. Il est vraiment bien, j'aime bien. Vraiment, pile ou à recharge. Ça recharge. Donc on a ça, et normalement on a une radio. Où elle est la radio? Ah, je pense qu'il faut le brancher, ça fait pas radio en fait, il faut le brancher. Brancher une radio dessus, ou l'ordinateur, je pense. C'est ça, hein? Ouais. Ouais, c'est ça, il faut brancher une radio dessus. Bluetooth mode. Voilà. Ok. Moi, je pensais que ça faisait radio, mais non. Là, ça, c'est juste pour régler l'intensité de la lumière. Quand vous tournez la petite molette là-dessus, et doucement, rapide. Et plus en plus lent. Et après, je pense que ça va au rythme de la musique, hein, si je me trompe pas. Donc voilà, je vais l'éteindre. Et puis là, vous avez justement tous les embouts pour mettre, vous voyez. Je pense pour brancher, par exemple, l'ordinateur Bluetooth, c'est, ça va avec l'ordinateur, ça va avec tout maintenant, hein, Bluetooth. Donc voilà. Après, je pense que ça, c'est pour le charger. Ouais, ça doit être un chargeur. Pour mettre peut-être sur leur, ou les ordinateurs et tout le bordel, bref quoi. Voilà, c'est mignon comme tout, c'est chouette et j'en voulais un depuis longtemps, donc voilà, je l'ai pris. Et ça, c'était 9,95 le download là. Voilà, on continue avec des bougies, la marque Glass senteur fruit rouge, ça sent super bon. Pareil, ça doit être 1,04€, hein. Je cherche pas tous les prix, je pense que vous connaissez. Hein. J'ai trouvé un thermomètre. Voilà. En 2 secondes, il vous dit la température, quoi, un thermomètre. Et le thermomètre, il était à 1,49€. Voilà. Ah, voilà. 1,49€, c'est toujours utile si quelqu'un est malade, boit de la fièvre ou quoi que ce soit. Med, hein, ça marche. Bizarre. Ça fonctionne. Pas s'il faut mettre. Ah oui, il faut enlever la languette dans la pile en fait. Voilà. Donc, j'ai la languette. Et puis là, il fonctionne. Donc, voilà. Il fonctionne, vous voyez. Je l'éteins. Voilà. J'appuie. Je le rallume. 0, 1, ah voilà, l'eau,
mettre sur 0. Appuyer longtemps. Ah, j'ai trouvé. Alors, donc, vous pouvez mesurer la température du corps en degrés Celsius ou Fahrenheit. Procédez comme suit. L'appareil doit être éteint. Appuyez et maintenez, enfoncez le bouton on-off pendant environ 4 secondes pour changer l'unité en mesure de mesure en cours. L'unité de mesure réglée C ou F, donc Fahrenheit ou je ne sais pas quoi, apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran. Ok. Donc là, c'est F. Et moi, je le sais. Donc, je l'éteins. Donc, ils disent bien. Appuyez, maintenez, enfoncez le bouton off on pendant environ 4 secondes. Voilà. Je l'ai en degrés. Alléluia. Là, quelle misère. Là, il est en C, en degrés. Normal, quoi, en français. Pas en Fahrenheit. Donc, je vais essayer. Mais pourquoi ça marque l'eau? Donc, je vais essayer. Je le mets sous le bras. Ça sonne. On va voir. 34,9. Non, c'est pas possible. Bref, je resterai plus tard. Je l'éteins. Déjà. Pas fiable. Tout va bien. Jamais, hein. Ouais, bon, on continue le haul. J'ai pris pour un moment un méga star croisé 150 plus gris. Donc, voilà, mot croisé. Là, vous savez, elle adore ça. Ma maman, il y a Action, ils sont pas chers du tout. Et ça, c'était à... Et au tabac, c'est 5 euros. Ensuite, j'ai pris des pinces à linge en bois. Il y en a 48 dedans parce que j'en avais besoin. Et les pinces à linge, c'est pareil, je les ai quelque part. 99 centimes, ça vaut le coup. Ah, ça l'enjeu en bois, je vous... Franchement, c'est bien, sauf quand il pleut, ça. Mais moi, ça me tient assez longtemps. Ensuite, j'ai repris les piles Panasonic des Walkman et des télécommandes. Donc ça, les piles, c'était 1,89 les deux, hein. C'est, enfin, les deux, un de chaque, hein. 1,89 les petits et les grands. Voilà. Et non, j'en ai pris 4, des trucs pour poil chat, là, tout long. Ensuite, j'ai pris ceci, je ne connais pas, c'est nouveau. C'est donc un pillow x4 glitter matte, normal skin de stress et refresh your skin. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Masque pillow paillette à l'extrait d'églantine et à l'eau d'amamélis pour les peaux normales, nettoie en profondeur et exfolie votre peau. Ta-ta-ta-ta, qu'est-ce qu'ils disent? Notice. Non. Un pilo. Des masques, c'est quoi? Ben écoutez, voilà, il y en a 4 à l'intérieur. Je connais pas. Si vous connaissez, vous pouvez me le dire en commentaire. Donc, c'est des petits masques comme ça. Ça, paillettes. Folium. Des masques, si? C'est bizarre, ça. C'est pilo, ça. Quoi. Je vais quand même lire. Super, c'est écrit en français nulle part. Bref, je vais voir. C'est pilof et je les testerai en vidéo si vous voulez. Et ceux qui connaissent, vous pouvez me le dire en commentaire s'il vous plaît. Si vous connaissez, je les testerai. Ah, il y a un petit papier. Attendez. Ouais, bah écoutez, je vais le lire et puis. De toute façon, je vous ferai une vidéo hein, si vous voulez. Et une vidéo test. Voilà. Donc, cela, ça s'appelle comment? Pillow Glitter Mask. 19 centimes. Ensuite, j'ai pris des masques pour sous les yeux, là. J'ai jamais testé avec des genres de dentelles. C'est super joli. Il y a un set. Et 5 centimes. Mais c'est qu'une pièce, apparemment, à l'intérieur. J'ai vu parce qu'il y a Sissi Makeup Sylvie qui les a fait. Voilà, ensuite j'ai pris des hydrogel lip mask pour les lèvres. J'ai pris le masque à lèvres hydrogel et le masque lèvres doré.
Je sais pas ce que ça change en fait. Si vous connaissez, vous pouvez me le dire parce que j'ai jamais testé. Donc je me suis dit, oh putain, je teste. En fait, ça fait quoi? Au collagène. Alors, celui-ci là, le doré, il adoucit et hydrate les lèvres. Utilisation, appliquer le masque sur les lèvres propres et sèches. Bien appuyer pour établir le bon contact avec la peau. Laisser agir pendant 15 à 20 minutes, puis le masser pour faire pénétrer l'excédent du sérum dans les lèvres. Ok, c'est tout. En fait, il est juste doré. Et pareil, et celui-là c'est pareil, c'est lèvres hydratées, douces et pulpeuses, en fait, non, lèvres et pulpeuses. Voilà, pareil, 15 à 20 minutes. Okay. Là, j'ai payé 67 centimes le masque. Et j'ai pris encore des petits masques comme ça. Encore une petite bougie à la aux fleurs tropicales. Je les adore, les petits arbiques, là. C'est trop mignon et puis ça sent trop bon. Et voilà, c'est tout fini, super. J'ai pris deux masques, comme ça, des peel-off. Alors, c'est quoi? C'est le masque peel-off au charbon extrait d'acai, élimine les cellules mortes, la saleté et le sébum superflu. La peau est rafraîchie, vivifiée, les pores sont nettoyées en profondeur. Voilà, il y en a deux à chaque fois. Donc, ça vous fait deux, hein. Oui. C'est pliable. Donc, il y a deux masques. Deux. J'ai pris deux, donc ça me fait quatre. Ça, c'était 79 centimes, un. Et, j'ai pris les, je me souviens plus, j'ai pris ça. Je me souviens plus. Les marques, la marque Garnier. À l'envers, sûrement, Sandra. De la marque Garnier Skin Active. Donc, c'est un, en français non plus, super. Masque purifiant au matcha et kaolin pour peau mixte à grasse. Un masque visage nouvelle génération qui allie le thé matcha et l'argile dans une texture crémeuse qui purifie en un temps record pour une peau rafraîchie purifiée. Appliquez une couche généreuse sur visage nettoyé sec, évitez les zones et les yeux sensibles, la bouche. Laissez poser 10 minutes puis rincez. On est pris deux. Voilà. Et il y en a qu'un par contre dedans, hein. C'est un et un, donc c'est deux. Et ça, c'était quoi? Garnier. C'était 99 centimes, un. Et bien, voilà pour, en même temps, je range, c'est le bordel, le monde. Et je vais faire après encore une vidéo de haul supérieur des courses que j'ai fait. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!